putain, nous. Non, c'est pas une contribution. Non, mais oui. Mais il a fermé la porte. Mais il a fermé la porte. Mais pour qu'on ait pour qu'on m'ouvre. Hein? Mais quel est le futur? On te relève. Ça c'est la violence. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ont vu cette vidéo, déjà vous savez de quoi il s'agit. Pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'est-ce qui se passe dans la vidéo? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens se sont soulevés comme ça là? Laissez-moi vous expliquer. Tout a commencé le 18 mai. Le président de la République du Congo-Brazzaville, président Sassou Nguesso, il a convoqué des chefs des partis politiques et aussi des confessions religieuses, comme aussi avec aussi des acteurs de la société civile, pour parler de la nation et de l'État. Il a dit que la convocation devait commencer à partir du 20 mai. Comme vous le voyez ici, c'est le communiqué de la présidence de la République. Et c'est cette lettre que le président a envoyée. Il a dit que le président de la République procédera à compter de ce mercredi 20 mai 2015 à une série de consultations des dirigeants des partis politiques, des acteurs des organisations de la société civile, des responsables des confessions religieuses, des dirigeants de certaines institutions constitutionnelles et des personnalités sur la vie de la nation et de l'État. Les modalités pratiques d'organisation de ces consultations seront communiquées aux organisations et personnalités concernées par les services du protocole et ça a été signé par Firmin Ayessa. Après ce communiqué, les internautes ont réagi. Les gens disent que non. Il y a même des commentaires que je ne peux même pas exposer ici, là, parce que les gens commençaient à insulter, parler bêtement, intelligemment. Qu'est-ce que je peux dire? Le seul commentaire que j'ai pu avoir, c'est Deo Gassias Lyonnais qui dit « Avec de l'argent, tous ces soi-disant chefs seront contraints de dire ce qu'on connaît tous. Hey. » Margarita Tadissi dit ceci. Personne ne parle des armes, juste l'alternance politique. Arnaud Mbeke dit, où est le mal en tout ça? Donc, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de réactions mixtes. Et le jeudi, le 21 mai, la diaspora congolaise en France a dit que non. Trop, c'est trop. Combien de fois on va vous parler? Vous voulez qu'on vous parle comment? Et ils sont, la diaspora congolaise est partie. C'était 5 individus qui sont partis à l'ambassade du Congo et ils ont fait le tapage que vous avez vu dans la vidéo. Donc, d'où est l'explication de cette vidéo? Pourquoi ils ont agi de la sorte? Au passage, ils ont agressé un vigile de l'ambassade et aussi un employé. Ils n'ont pas pu, comme vous le voyez, ils n'ont pas pu voir l'ambassadeur Henri Lopez parce qu'il n'était pas présent. Au sein des chefs des partis politiques, la réaction aussi était mixte. Prenons par exemple l'exemple de l'UPAD, c'est-à-dire l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Le secrétaire qui est Pascal Sassi Mabiala a dit ceci dans un communiqué. Face à cette forme d'imposture, l'UPAD a choisi de dire non à l'appel du président de la République.
non par irrévérence, mais par conviction de ce que cette initiative ne répond pas à la préoccupation du peuple congolais. Waouh! Et pendant ce temps, le MCDDI a salué cette initiative en disant que non, c'est vraiment, c'est bon, le président veut dialoguer avec nous, vraiment, nous saluons vraiment cette initiative et je vous invite à regarder cette vidéo. Les consultations initiées par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, ont démarré avec les dirigeants du MCDDI, conduits par leur secrétaire général, Brice Parfait-Kolelas. Ce dernier a loué la démarche du président de la République, démarche qui, à son entendement, permettra de décrisper le climat sociopolitique dans le pays et qui lui a donné l'occasion de réaffirmer la position de son parti sur le débat engagé dans le pays, sur l'ordre constitutionnel et bien d'autres questions. Nous avons insisté sur le respect de la Constitution, hein, le respect des recommandations politiques de Denizy et de vous, et la prise en compte de toutes les doléances. Hein, le non-changement de la Constitution, effectivement, nous l'avons réaffirmé. S'agissant du dialogue, le MCDDI estime qu'il n'est pas nécessaire, en tout cas pas tel que le prônent certains partis politiques. Mais le dialogue a déjà eu lieu. Il y a eu le dialogue de Dolizy, qu'on a appelé concertation politique de Dolizy, concertation politique de Vaux, et nous demandons l'application de cela. Après le MCDDI, la série des consultations s'est poursuivie avec les partis du centre, avec à leur tête Jean-Michel Bokamba Yanguma, qui se dit favorable au dialogue. Nous sommes venus pour réitérer les problèmes du dialogue, parce que les questions du Congo ne peuvent pas trouver de solutions en dehors du dialogue. Qu'il s'agisse de la sphère politique ou même de la sphère traditionnelle, rien au Congo ne peut se traiter sans le dialogue. Et nous avons tiré profit de ce que lui-même il a fait pour ce pays et l'expertise qu'il est en train de développer au niveau international. La RCE aujourd'hui est en paix, c'est parce que des questions prenantes. La boucle de la journée a été bouclée par l'Union pour la République, UR, de Benjamin Bunkou. Mbata ya Bakolo a officiellement été lancée à Pointe-Noire. Ah, hey, expliquons les principaux enjeux de la phase exécutoire effective de cette opération à Pointe-Noire et au Kwilu. Le général Jean-François Ndenge a indiqué que Mbata ya Bakolo est un acte de souveraineté dont le but est la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, alors que son volet, Longwananzela, vise la prévention, la répression de toutes les formes de délinquance observées sur la voie publique et le respect de la loi congolaise sur l'exercice de la profession de conducteur de véhicules de transport en commun. Sincèrement, en Afrique, si j'avais un président vraiment que je tenais à cœur, c'était Pierre Nkurunziza. C'était mon président. C'était mon président. Mais depuis là, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Et comme vous le voyez ici, la crise politique qui est ébranle actuellement au Burundi a poussé le président Pierre Nkurunziza à reporter d'une semaine, c'est-à-dire au 2 juin, les élections législatives et communales qui étaient initialement prévues pour le 26 mai. Donc, selon Willy Nyamitwe, conseiller en communication du président, le chef d'État a suivi une recommandation de la commission électorale et répondu aux demandes de l'opposition politique burundaise et de la communauté internationale. Écoutez. En ce moment-ci, les relations entre l'Algérie et le Royaume saoudien sont froissées. Ah bon? D'après le journal saoudien Mecca, le ministère saoudien des Affaires étrangères a adressé une note au ministère de l'Industrie et du Commerce ainsi qu'au Conseil de la monnaie saoudienne pour les mettre en garde contre 11 États, dont l'Algérie, classés sur liste noire. Hey. Pourquoi? Parce que ces pays-là, dont l'Algérie, ils ne respectent pas les règles en matière de lutte contre le blanchissement d'argent et le terrorisme. Pour vous dire aussi, hein, l'Éthiopie aussi figure parmi ces pays-là. Oh! Ok, c'est enfin officiel, Hervé Renard quitte la Côte d'Ivoire. Hey! Hervé Renard, qui est le sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, a confirmé vendredi son départ
lors d'une conférence de presse à Abidjan aux côtés des responsables de la Fédération ivoirienne de football. Hervé Renard et le club de Lille sont tombés d'accord pour entamer une collaboration à partir de la saison 2015-2016. La signature d'un contrat de 3 ans va intervenir dans les prochains jours, le temps de régler quelques détails. Selon moi, je pense que ce monsieur-là est en train de partir suite à ces affaires-là des primes impayées. Ça, c'est vrai. Vous connaissez, les blancs aiment le sérieux. C'est chez ça. Nous, là, il n'y a pas de sérieux. Quand l'affaire des primes-là est sortie, les primes impayées, comment ils veulent... Ah, ça décourage. Le blanc a dit, Kani, moi, je repars dans mon pays, je vais aller coacher là-bas. Ah, mais... Ça. Lui-même, il a dit, non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas à cause des primes impayées que je... On connaît la vérité, tu veux mentir qui? Yes, I'm Chinese. 你好吗?靠你吗? 你是不是到哪新中行啊,谁做事做最大的呀?说你一说惊吓啊,说最大呀? That's not Chinese. That's stupid Chinese. Because you're stupid. Oh, I'm stupid? Yes. No. S'il vous plaît, hein? S'il vous plaît, pardon. Hein? Je fais ça, pardon. Laissez les affaires là d'aller, non, casser les choses, les vitres à l'ambassade du Congo. Laissez tout ça, hein? Notre problème en ce moment-ci, c'est la prière. Oh. Laissez tout ça, s'il vous plaît. Hein? Soyons sages. Vraiment, s'il vous plaît, restons tranquilles. Bon, je sais que vous n'allez pas m'écouter, mais au moins, j'ai parlé. Ah! On va pas dire que Kebele Rose n'avait jamais donné de conseils, n'avait jamais... J'ai parlé, j'ai dit ce que je pouvais dire, vraiment. Une bonne chire. Bon, vous savez comment me contacter, quoideneuf@dovstudio.net ou encore Facebook.